Mais Dieu m'a parlé pour l'église et corps de Christ. Allez-y. Voilà. Oui. Alors, concernant l'église et corps de Christ, Nazali n'a message pour la nouvelle génération. Oui. La nouvelle génération, Dieu m'a dit que non, tous ont la culte personnelle. Tout le monde a dissension. Pourquoi? Parce que l'église de corps de Christ n'a parti à RDC et comme affaibli de plus en plus. Ils ont comme affaibli de plus en plus. Pourquoi? Parce que une génération s'avance, l'autre revient. On a un thème, ça se coûte. Tu as m'a tâté sur le coup de la grintalité. Au moment où génération a bisous, vous allez affecter Ming. Système, il y a mentorship au Yélibiso. Système, il y a quoi adopter au Yélibiso. Ça détruit notre génération. C'est-à-dire que nous avons des difficultés, nous avons des difficultés, moyens sur le plan financier. Nous avons des problèmes, nous avons des vies prophétiques. Il faut connexion. Il faut connexion. On a une connexion, on a des connexions, on a des étouffées. Et manger et sa place. Sur le plan spirituel d'abord, nous avons compris que nous avons surtout des Africains. Tous allés dans la force coutumière. Alors, lorsqu'on parle dans le rituel coutumière, tout le monde est parti sorcellerique. Il y a des familles qui ne sont pas vendues. Or, sur le plan spirituel, ils ont des dettes. Il y a des sacrifices. Au M. Moussousou, nous avons dit qu'il y a l'année 2022, mais il y a des sacrifices du sang, il y a des sacrifices du sang, il y a l'année 2021. Alors, ils ont obligé à côté de 2023. Au moins, pourquoi vers la fin de l'année, ils ont des lois mingi. Même les magiciens, même les occultistes, même aussi les sorciers. Quatre églises. Dieu m'a dit que non. La cabale juif. La cabale juif. Côté, monsieur, au moins la quatrième église, la vie sont mingi. Ils ont la cabale juif. Tu l'as ici, cabale juif, combo, ma casse mingi. Mais tu bosses à niquer, il y a des pasteurs au tiers vanduana, et puis qu'ils allaient à la force ancestrale. Beaucoup qu'on est venu à cette église là. Dans vanduana. Et puis que tous ces gens qui viennent chez moi ici, bah ça suit la domination, il y a un pouvoir ancestral on a la salle là. Kindo qui pena. Kindo qui pena voilà. Azuango na Bakongo, Azuango na Bandundu, Azuango na l'Équateur, Azuango na Kasai, Azuango na Est. Bah l'église est belle mon zana. Ils ont pa pasteur ba ko ba chef coutumier. Et belle bazawana. Omoni, alors Dieu m'a dit ceci que a ko frapper ba pa sans dans mes mingi. Voilà. Surtout ba ton mingi on va très élevé. Pour l'année prochaine, je ne parle pas là-bas tel niveau, tel comité. Non, Dieu m'a dit, tu remontes plusieurs pasteurs dans la humilié. Bokoko et Gobi Mana en poisson. Bah, rituel là-bas, nous sommes à bureau, bah, ça là, et on a dévoilé. Et ça parce que, bah, affaiblir une deuxième génération, il fallait matin. Moi, je m'en souviens très bien, tu l'as qu'il y a décembre à Boye, au Romona, génération qui a foutu rock, mais, bah, banderole et mati. Au Romona, il faut ça qui examine à Banner le matin. Au Romona, armée de Victor et Matisse. Coutinant Matisse. Ma terrain est minéne. Le loyo, les musiciens vont commencer à la timer. Ma terrain est minéne. N'a pas sa pasteur. Pourquoi? Parce que l'évangile, ils ont la carte à RDC et commis bafoué. Batou basé mina matériel. Moni, jusqu'aux nouvelles générations, on peut relever ma défi. Tout comme il peut affirmer parce que la vie va d'accord adopter Bissot et Bissot dans la course est un bon, donc il y a un verbe à vie, moyen leur en zambé ça n'a pas été. Mais ils ont arrêté. Ça veut dire que Bissot est fanatique à ma vie. Ma vie, on en voit. Si aujourd'hui les musiciens commencent à manquer même les pasteurs, c'est parce qu'il y a d'autres pasteurs au bord qui ne pas boîte moron à bango. On l'a dit? Le même réseau. Même réseau. Même maison. Parce qu'il y a ici, Kamoro, Bakoti, ici, Kamoro. Pour la popularité. Au moment où domaine, il y a musique. Chrétienne ou mondaine, domaine il y a dans le monde évangile. Pour pasteur, il y a besoin de succès. Ce que dis-moi par exemple, un musicien, par exemple, pour sa succès, il a besoin de popularité. Pasteur, quelle est la popularité? Misère de la popularité. Voilà. Vous l'avez dit? C'est-à-dire que si vous avez un c'est vrai, il faut misère dans nos films, on est pasteur. Voilà, merci à tous et à toutes, chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous captez. Meilleurs vœux, bon année 2023, Jérémy Luemba. Les renards du désert se pointent devant vous. En tout cas, nous sommes là avec un serviteur de Dieu que vous allez découvrir tout à l'heure. Shalom chez vous et merci pour votre particulière attention. L'homme de Dieu, bonjour. Oui, bonjour papa. D'abord, bonne santé, bon état d'esprit. Dieu fait grâce selon sa volonté. Nous sommes normal, intact, sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes tous les gens qui ont été branchés. Toujours branché parce que la mission est pour les gens. Voilà.
Très bien. Alors, tu as démarré l'émission par la prière, l'homme de Dieu. Seigneur, merci parce que nous sommes seuls à la vouloir. Ces instances entre tes deux saintes mains. Que l'esprit de grâce ait assisté de connaître son Père ou à tomber dans la vidéo. Merci parce que l'émission peut visiter moi qu'on a mon corps, peut restaurer moi qu'on a mon corps. Zanabi Selongo, soit notre guide au nom puissant de Christ Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Voilà. Merci pour la prière, l'homme de Dieu. Alors, on va tout découvrir pour la toute première fois chez nous. Quand même, on s'est présenté au Tuapi, aux Anani, et puis le nom de l'église, tout ça, je crois que ce serait très important. Oui. Je réponds au nom de l'apôtre Isaac Ilonga. Nazalu, dirigeant de l'église, il y a une grande communauté, communauté chrétienne, la main puissante de l'Éternel. En sigle CCMP, et si quand on a pinazo Kamba, le coin central, ils ont mis na Mongafula, na quartier Kindele, na avenue Kimbaou numéro 23. Et nous avons aussi des cellules un peu partout. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, apôtre Isaac, merci pour la détail. Wana. Alors, étant qu'apôtre, est-ce que l'évolution à Moussala en Zambé, ils ont qui n'est bien, ben pas tout la PCO, tout ça pratiquement à la fin de l'année. Bilan, est-ce que tu pas mis? Il y a eu aussi des résultats. Voilà, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes toujours là. Nous avons assisté à ça. Nous traversons l'année où nous difficultés belles. D'abord, vu la conjoncture, puis Mboka, ils ont joué un rôle. Mais le quoi la biso vivra la foi. Parce que l'écriture dit que les chrétiens vivront par la foi. Alors, nous avons pas la bango. Parce que l'année oyo nous avons un témoignage ébélé. Il y a un miracle et nous avons un. Il y a d'autres bénédictions et cause à la carte matérialité, mais ça peut être aussi sur le plan santé. C'est-à-dire que nous avons un peu de malade, nous avons un peu de bixi. Alors, vous voyez que la vie à la réunion, c'est aussi une année qui est vers la fin. Cela veut dire que nous avons salité dans un grand. Très bien. C'est-à-dire que nous avons sali à mingi pays belé. Pour allonger bien à l'Iwa, allonger bien à maladie, allonger bien à mes hôpitaux. Donc Dieu vraiment a agi avec nous. Voilà, ça c'est très bien. Alors, tout ça dans le Congo, l'homme de Dieu, tout le monde a à la fin de l'année plusieurs réalités. Batouba au Koufa, Barobela, mort subite, mort précoce. Et Zalaranini, na décembre, selon Bino, ça l'a Nzambe. Et symbolisant, tant au diable à travailler, et ça l'a refait, tout le monde a trop de choses dans le temps. Ce que plusieurs ne comprennent pas, l'écriture dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est-à-dire que non, au bandit, on a né bien, mais sous car les hommes ont bébé. Sur le plan spirituel d'abord, la ligne de bébé va comprendre que, surtout les Africains, tous les gens ont une force coutumière. Alors, lorsqu'on parle de rituel coutumier, tout le monde est parti sur sorcellerique. Il y a des familles qui ont des vendre. Or, sur le plan spirituel, ils ont des dettes, il y a des sacrifices. Au Moussoussou, nous avons dit qu'il y a l'année 2022, mais il y a des sacrifices du sang, il y a l'année 2021. Alors, ils sont obligés à côté de 2023. Au moins, pourquoi vers la fin de l'année, ils ont des lois mingi. Même les magiciens, même les occultistes, même aussi les sorciers. Parce que quand il y a un monde noir, un monde à Satan, il y a une répartition. Il y a magie rouge, magie blanche, magie noire, tout ça. Tu comprends que nos sorcelleries, nos africains, ils ont manqué la réalité. Alors, tout le monde a beaucoup de morts subites. Pourquoi? Parce que à comprendre qu'il y a une carte, il y a une bonne chose, il y a une bonne chose, or, ils ont une dette spirituelle. Il faut, moi, quand on a un bon, il faut foutre. Mais à Rolobango, c'est parce qu'ils ont un contrat spirituel. Voilà. Donc, si vous remarquez, à la fin de l'année, il y a un accident, il y a un accident, il y a un accident, tout ça, ils ont un monsieur qui a un accident. Voilà, c'est-à-dire que Ndeko, na kata ba sacrifice na ye ya monde à manger, a boko sima la famille na ye. Donc, à quoi le retape libanda? Vous voyez un peu, à quoi kepe na barbe ya kwe simbong, yo zongo occasion à fête le côté. Mais tu n'as pas dénoncé, tu n'as pas dit à la famille, Ndeko, la famille a recouvre mort si vite. Famille ébite lui et outé lui. Alors, ils ont un peu de niveau, la famille est à la côte de l'ango, ou chaque année l'ongo la ramoutou. Mais bino boye barate, qui que ce soit, la famille na bino, à Matarawana pour la côte de la sima famille. Donc, batouba l'ongo à kaba, mort si bise, chaque année, il y en a un bon, il y en a fin de l'année, ils en a raison, il y a plusieurs réunions, raisons sur le plan spirituel. Donc, c'est un peu ça. Voilà, ça c'est très bien énuméré. Je crois que batouba, on a la bisouba chrétien,
baza tout à fait d'accord na biso mozali apôtre. Mais est-ce que vous avez un don et voyance? Parce que vous avez un don et voyance, prophétie, papa. Est-ce que mon aka, ma kamouna vie à bandeko? Et puis ma kamouna de sinza misa la ki sa yopo na mboka tout na corps de Christ ou epe salama. Nzamba pambo la bandeko, n'a pas eu kazo en abiso. Quand j'ai commencé mon ministère, na bané ministère en 2006. Quartier ni, quartier na vanda ki a monga foule a kinele, tout le monde m'appelait prophète. Parce que, ils a ki don. Dans le baka, être prophète, au cours de la prophète Mozo Monaté. Dans ces pays, nous avons des prophètes aussi, au Monaté, au Foxé. Mais tu peux être pasteur, tu peux être apôtre, mais vous avez le don de la prophétie, amen, avec exactitude et précision. Très bien. Voilà. Alors, Batuming, comment on a ta casquette, il y a prophète, parce que quand c'est être prophète, c'est être voyant. Or, ce n'est pas ça. Donc, être prophète de ministère, tu es prophète, mais tu n'as pas le don de la révélation, tu n'as pas le don de vision, tu n'as pas le don de la prophétie. Mais Nzamba Salibisongolo. Na katia mboka na Congo sika otuzo evre la Kinshasa précisément nzamba lobelinga plusieurs fois wana tiki na dimension ya se na longo na katia église na katia église corps de Christ même na pona katia mboka na ngai alors plusieurs fois pe to bana ko mana tete vola ko annoncer te mais na ba entourage na biso ba comprendre ebele moi je crois que na soki occasion un jour ya ko prévenir l'UEF qui est une sécurité. Dieu m'a parlé na saki na émission na wapi comme télévision na chaîne la Kinshasa. Après mission, nzamba lobelinga ke alinga longola opposamo comme nina mboka oyo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit non. Na ko annoncer ngo boye, naza na possibilité te au secours na ebité et puis nzamba lobelinga kinga te annoncer. Mais Dieu m'a révélé. Et après l'émission na bimi na ebisi ba ne ko bazala ki wala que je salue à passant, John Fomba na sikila ki di papingi na ma ou tout ça ba journaliste bazala ki wana na ebisi ba ngai bino nzamba lobelinga dans 3 jours. Tu dois perdre un grand politicien mon abisso azali na quand il y a opposition to boum ça y est ba bisinga zonga mba ke ko ba na kati mission mais na zonga le susuté et après 3 jours na ngo ba prendre nga ke papa Etienne Tshisekedi atiki biso c'est dire que nzambe a révélé ki ngai et aba arrestation mingi même ya ba kondi même ya batu même arrestation ya notre évêque Mukuna nzamba prévoyé nga ngo avant même makambu no se bima. Et je me rappelle très bien avant dans le bango na nosaka ngwe pa ya évangéliste Roger Baka. Na zaki na chaîne na ye, c'était vers 8h30 9h na bandal nanu bakangi avec Mukunate. Mais nzamba ebi singa ki avec Mukuna bakanga sa prison. Et quand j'ai annoncé ça, zaki na problème morote. Et quand on prouve que non, asa la voix peut être kangama. Et na mona ki pa arrestation na ye et Dieu m'avait dit que non akobima parce que nzambe arozanai. C'est-à-dire que Dieu nous a parlé de beaucoup de choses. Mm. Bah, départ à Bakabila, Dieu nous a révélé. C'est-à-dire que dans le domaine, il y a prophétie. Et ça, et le koyo, na terre en liboso penzate. Parce que Dieu, il envoie sa parole. Et sa parole, elle fait guérir, échappe à la force. Donc, au point de ngaï primordial liboso, na annonce à la bonne nouvelle. Yes. Mais la prophétie, c'était don tout ça. Yes. Bah, nde ko bazo kazo en abiso, ou baza pendant le monde entier, nambou na ba ben abiso ayebi. Alors, est-ce que Mikolo a eu le message de l'homme de Dieu? Kola fongolo, misute, papa, ma miso, les ganamboka, tout ça. Concernant un message pour un pays, Dieu m'a rien dit présentement. J'aime bien dire ce que Dieu a dit. Parce que dans la prophétie, c'est le parler de Dieu. Et l'homme de Dieu vient maintenant pour répéter ce que Dieu l'a parlé. Parce que Dieu ne prophétise pas. Le Seigneur parle à son serviteur. Et le serviteur qui reçoit le message à son tour viendra maintenant pour prophétiser. Voilà, pour prédire ce qui arrivera. Mais na moka na minute oyo na ko ko annoncer pendant les nationaux lobé le refait salama avec précision. Mais Dieu m'a parlé pour l'église corps de Christ. Allez-y. Voilà. Alors, concernant l'église corps de Christ, nazali na message pour la nouvelle génération. Oui. La nouvelle génération, Dieu m'a dit que non, to zongi la ba culte personnel. To longo la distinction, to zongi la ba culte pour pourquoi? Parce que l'église corps de Christ na parti à RDC et comme affaibli de plus en plus. Ils ont comme affaibli de plus en plus. Pourquoi? Parce que une génération s'en va, l'autre revient. On a un thème, ça se coye. Dans un moment, on a dit qu'on m'a tâté sur le côté de la mentalité. Au moment où la génération a été affectée, le système y a mentorship au Yélebiso. Le système y a quoi adopter au Yélebiso. Ça détruit notre génération. C'est-à-dire que nous avons des difficultés et nous avons des difficultés et moyens sur le plan financier. Nous avons des problèmes pour nous vivre prophétiquement. Il faut connexion. Il faut connexion. On a une connexion. Nous avons des problèmes pour nous faire. Et manger et sa place dans cette église. Dieu m'a dit que non. La cabale juif. La cabale juif. Nous sommes dans cette église. Nous sommes dans la cabale juif. To latisi kabal juif kombo makasi mingi mais to bosani ke ya de pasteur o tia vanu wana ebi ke zale force ancestrale bo koko ne vanu cette église naye
Et que tous ces gens qui viennent chez moi ici, parce que sur la domination, il y a un pouvoir ancestral. On a la salle là. Kindo qui pena. Kindo qui pena, voilà. Aziango na Bakongo, Aziango na Bandundu, Aziango na Équateur, Aziango na Kasai, Aziango na Est. L'église est belle, mon isana. Isana, pasteur, bako, chef coutumier. Et belle, bazawana. Alors, Dieu m'a dit ceci, que a frappé ma part, ça n'a pas été fait. Voilà. Surtout, bateau, mon isana, va être très élevé. Pour l'année prochaine, je ne parle les paroles avec tel niveau, tel comité. Non, Dieu m'a dit, tu remontes plusieurs pasteurs pour humilier. Bokoko et Kobimana en poisson. Ba rituel n'a pas mon bureau, ma salle à la et on l'a dévoilé. Et ça n'est pas on va passer pour l'église corps de Christ dans la partie à notre pays. Voilà, ça c'est très bien dit, apôtre Isaac, mais quand même l'église est affaiblie, comme on l'a dit. Décembre, on ne sent rien. Crise évangile en Boka. Ba campagne, ba croisade, et bien, ba jeune, ba kiona, ba aventure, ba théâtre, ba lingimbongo. Mais alors, selon vous, en tant que jeune apôtre, aux hommes, atmosphère, ou le lot comme la musique, bandumba, masanga, tout ce qu'on a. Et ça, la passe, bien aimé, pena mawa. Pourquoi? Parce que le lot, oyo, makambo, n'y est toujours vivre, et ça qui annoncé. Mais c'est pas quand le moment. Depuis le jour où on a dit que non, Jésus revient bientôt, ça prend combien de siècles, combien des années, combien des époques. Donc, autre chose, on a le lot présentement, et ça parce que bah, affaiblir une des générations où il fallait matin. Moi, je m'en souviens très bien, tu sais, qu'il y a décembre, au Romona, génération qui a foutu rock, mais la banderole est matin. Au Romona, il faut dire qu'ils ont mis la banderole est matin. Au Romona, armée de Victor est matin ici. Continuons matin ici. Le terrain est miné. Le lot, les musiciens, ils ont commencé à timer. Le terrain est miné. Il n'y a pas de pasteur. Pourquoi? Parce que l'évangile, ils ont mis la carte RDC et commis bafoué, basé sur le matériel. Jusqu'à la nouvelle génération, on peut relever le défi. Tout comme il peut affirmer, pourquoi? Parce que la vie va adopter Bisso et Bisso dans la course est un bon, donc il y a un verbe à vie, moyen leur en disant que ça n'a pas été. Mais ils ont arrêté. C'est-à-dire que Bisso fanatique à la vie. Et puis, peuple en disant que ça n'a pas été. Oui, bien, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. 5 ans, dans la télévision, dans la RDC, permanent dans la TV. Mais un jour, un grand homme de Dieu m'a appelé, et puis il y a une conception de mission Salarawana, à part de ça qu'il y a un peu de temps. N'est-ce que comment? Ah, n'est-ce pas que tu vas habiter? Genre, il y a conception et mission parce que je prêchais l'évangile, dans l'époque de voiler, dans le mystère caché. Voilà. J'expliquais l'enlèvement, j'expliquais l'apocalypse, j'expliquais les dissous, j'expliquais. Si je suis ma casse, si je suis angle fermé à la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont aussi battu. À cause de la pasteur, à côté Ézéchiel, à côté du livre Daniel, à côté de l'apocalypse. Voilà. Ce que j'ai dit dans la Bible, via conception, genre et mission au salon. Et ça passe pour nous aux ambons. C'est pour dire quoi? Le lo oyo mission onza ma pesibiso eza bande comme sou ming batengami. Voilà batengami. Mais parmi ba o ba koyi, Dieu ne manque jamais les 7000. Il a dit à Élie, alors il y a encore 7000 que j'ai réservé. Oh non, ba fléchir genou te, ba pesibal visiter. Donc il y aura toujours un vent. On kola ko souper pour na moka oyo. Voilà. Alors pour la musique mondaine, désir le rage et eu un impact aux en révélation sur les artistes et musiciens qui ne kebab mission au monde à rango. Est-ce que c'est vrai baza batoyo baza même monde na binoté musicien au moni? Si aujourd'hui les musiciens commencent à manquer même les pasteurs, c'est parce que il y a d'autres pasteurs au bord qui ne bab boîte moko na bango olandi même réseau même maison bakena ici kamoko ba coach ici kamoko pour la popularité au moni domaine il y a musique chrétienne ou mondaine, domaine il y a dans le monde évangile. Pour pasteur, il y a besoin de succès. Ce que dit moi par exemple, un musicien, par exemple, pour sa succès, il y a pour sa popularité. Pasteur, quelle est la popularité? Misère de la popularité. Voilà. C'est-à-dire que Bangomi Balé, c'est vrai, il faut misère dans nos films, on est pasteur. Et puis, le peuple en Zambé, il y a un peu de pasteur en Zambé. Il y a un peu de faible, il y a un peu de faible. Donc en réalité, quand tu as quitté ça, il faut que tu aies comme ce que tu as quitté. À cause, il y a un mauvais acte. À cause, il y a un bilan qui a dénoncé. À cause, il y a un bilan qui a passé par ça. Et qui est-ce que tu as fait? Donc, concernant les musiciens, c'est vrai. Voilà. Parce que la musique, même la Bible déclare que c'est le diable qui a fait ça. Pourquoi pas tu as quitté ça? C'est que c'est. Je vais t'expliquer concernant l'ennemi. Parce que tu as bien un ennemi.
on l'a dit, vont me parler pour Christ, mais ils n'ont touché beaucoup plus na quand il y a ennemi. Mais ils ont vrai que les musiciens na biso et belé, pour azana batte belé, il faut azana pouvoir moko eko salaye en sorte que azana capacité ya batuba aimer ba lingaye eko so. Voilà. Voilà, ça c'est vrai. Alors merci à tous et à toutes, Mimi Ndoumé, Nabundes, Sema Mayasi, femme légitime, Agency Mayasi, Forza Italia, Mama Sarah Linawimbi aux États-Unis, Bosse Chicha Chimbo na Turquie, Yalu Zombala de Madrid, les célèbres Dien Zundu na Washington, je salue Doua Moulumba aux États-Unis, Patrick De Souza, l'homme infatigable, je n'oublie jamais, Maître Siza Soukama, puissant ami Kili, ainsi que tous les serviteurs de Dieu qui nous suivent en ces moments. En tout cas, abonnez-vous sur Équilibre Télévision, commentez positivement, partagez l'émission pour nous faire du bien. Alors, je vous laisse un minimum de temps pour exhorter Bandeko Bautalabiso, pour perdre espoir, pour peut-être réclamer dans ma famille, Bitumba Yamoulili, et gagner terrain, pour que nous soyons bien. 2022 est tellement sombre pour la vie. Bango. Donc, en 2023, va espérer na quelque chose de la part de Nzambe ou bien va vivre un mécanisme. Je vous laisse le micro comme ça aux autres. Je bénis Dieu, je crois que Nazali Pamboli pour na maman, papa, ne connaît surtout Oyazu occasion en Abisson. J'ai toujours dit que la vie des chrétiens, c'est la vie des sacrifices. On a remarqué même dans l'ancienne alliance, le péché est banaki ko abondé. Et le quoi la péché on est dominé, qu'est-ce que Dieu a dit? Il est écrit, nous avons recommandé qu'il y ait un peuple nion surtout, qu'il y ait un niama et pas un souverain sacrificateur pour l'expiation du péché. Alors, vie à sacrifice, nous allons la seule vie qui peut permettre moi, nous avons surtout, à surmonter ma épreuve, à surmonter ma combat où nous vivre. Et toi qui es combattu, toi qui se sens limité, nous avons exhorté dans la journée à l'élo, dans la vidéo, ok, augmente encore la foi et puis augmente encore la vie de sacrifice. Quand je parle de sacrifice, on dit une question. Parce que sur le plan spirituel, sacrifice n'est pas une importance. Et sacrifice est quand même maquillaté. Parce qu'en termes de sacrifice, plusieurs personnes pensent que lorsqu'on parle de sacrifice, on a quand même maquillé. Non. Or, sacrifice par définition, vous allez effort volontairement produit. Vous allez peine volontairement accepter dans un destin. C'est-à-dire que nous avons dit, il faut comprendre que ma cambo na zo vivre, ma cambo na zo mona oyo. Il faut mettre fin à yango. Alors pour moi, on mettre fin à yango et commencer à yo dimension moko ya sacrifice. Vous devez développer le culte personnel, c'est important. Développement de culte personnel, vie de prière. Vous devez développer aussi la vie de sacrifice. Alors yango moni apôtre Isaac Ilonga, souvent ma benga Thomas pe mosakoli. Alors Thomas peut mon sacoli, na ça juste pour le gobi sa mon nzambe nion surtout. Oyo a perdu qui espoir pour cette année que l'année 2022 est aussi la beauté. L'année 2023 au côté on va prendre beauté. Il y a une solution on va améliorer. Na zobi sa bande ko nion surtout. Que non et comme tant ce que yo peut au moins le bon nzambe. Il est écrit que la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Le bon nzambe ezaka moku c'était pour na esunga. Mais ce sont nos péchés, voilà. Or na terme ya péché et lorsque qu'on mettre fin et lorsque monsieur au sala aux compliqué bande que belle mona passe en Europe wana na Amérique partout petit année lorsque moka muki et sala na vie naye oyo mutaye ba ngote compliqué mais laisse-moi te dire que le péché laisse-moi te dire que non le sacrifice est capable. Nous avons un grand sacrifice et sala na l'œuvre de croix par la mort de Christ Jésus. Ce sacrifice ma kilo sala ngwana oyo tikali vie de prière bon fond na yo ba ko sonne grâce na yo mais ali moko ba secret yo ko sala ke tombola yo na so benga mutunyo surtout o ko remarquer biso na montagne o so na ngomba te so matana peuple to luka nzambe na ba jeune ebele na ba sacrifice ebele et Dieu répond déjà positivement donc ndengo zo mona ba twana ba za wana na montagne wana ba benga ndeko msa na poto a bengi li bote na ye orienté bango abi papa lukela nganze pona famille oyo ma bote zo ebele et nzambe aza komi munisa. Notre Dieu agit de loin et de près. La main de Dieu n'est pas limitée. Mais l'Esprit de Dieu est capable d'intervenir partout dans ces continents. Donc, occasion est peut s'améliorer.
Zako tak nabiso, ben nabiso, et je crois que sous la grâce de Dieu, miracle nzambe ko pesa milayo. Donc, yango mon natali si batuke, ba image zo mon wana bangomba, o ba beli bazobika, nzambe bazo visiter batuebele, nzambe bazako ko se manifester, il s'agit de parce que nous avons développé la vie de sacrifice et le culte personnel. Donc, l'occasion est pesa milayo, ma saint, mon frère, li kambo elembani yo wana, elembani nzambe langate. Ce qui est le même à pesa ba sije bato senga ba bonde la pona yo et le mani nzambo ngana osambila te Christ Jésus de Nazareth. Notre Dieu est capable à to ozala etanini ozala musala te ozala mbongo te o sentir instabilité bien que tu vis en Europe, tu as aucun document au vendi mingi na poto mais document ozoate o sala sa document baninga. Je te dis ce qui est vrai, l'écriture dit là où fleurez vos plantes de pied, je vous donnerai en possession. Donc, il faut nous amener à possession. Dieu a voulu que la famille ne soit pas en train de se faire. C'est-à-dire que nous avons dit pourquoi nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit tempête. Le diable veut que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit pour que nous avons le même niveau de la famille. Mais ainsi par l'Éternel. Ce qui m'a douté, na émission oyo a douté na vidéo oyo que à côté contact na biso nous avons eu la au salaire grâce na pesi contact na nga directement ndeko nyoso alingi a contacté biso na domaine prophétique ayo kanzambe avec précision azwa ba onto prophétique a bengi biso na plus 243 82 49 39 012 na répétant le susu olingi au moins na miracle nzambe na vie na yo olingi nzamba visiter yo Kota à côté de la biseau au bien numéro Oyo. Na plus 243 82 49 39 012. Les animeurs à WhatsApp, na sambeli pona yo, Oyo, aux akina biseau branché, grâce à Nzambe Tambo na yo. Na ba nombre de jours et tikali, au kota 2023. Miracle Nzambe Salama, au nom pour le Christ Jésus. Faveur Nzambe Angwana, reste cela, na komba Christ Jésus. Amen. Salon,
comme un prophète de Dieu. On cache les semaines. Et Dieu l'honneur de la fin là. Dans 4 semaines. La monnaie va confier, j'irai seulement mon nom. D'abord, les roses en bouche. À ce moment-là, je suis mené. Le quoi est mort, le quoi est vivant, à peu près conscient. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.